Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Carpocalypse live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! C'est ce foutu virus informatique. Il est dans les pixels de VGA, la mémoire vive. Je crois. Avez-vous essayé de le débrancher, de le rebrancher? Ne vous mêlez pas et ne touchez aucun, pas aux ordinateurs. Aucun de vous ne revient. Je reviens bientôt. Alors, j'ai entendu ce qu'a dit Monsieur Roy. Ne touche pas. J'attends juste un coup d'œil à quelques jeux. Tu parles mon langage, Jeff Carter. Qu'est-ce qu'il fait? Aucune idée. Préparez-vous à votre ruine, je suis Crypto. Qu'est-ce que... Merde. Combattons-le. Ce n'est rien de bon, les virus ne devraient pas prendre vie. Voilà, tu me dis qu'il ne dit rien. Il ressemble un peu à Crypto de... Un peu comme Crypto. J'ai une idée, dans l'épisode 421, Crypto a été bloqué par une boucle logique. Ça pourrait marcher, des profs et des étudiants intelligents connaissent peut-être des choses sur le confondre. Où je pourrais battre cette énergie dépassée maintenant. Décide. Je t'occupe jusqu'à ce que tu trouves quelque chose. Et l'informatique que fait. Alors, petite humaine, es-tu prête à être atteinte? Attends, j'ai une question. Mon traitement, qu'est-ce que c'est? Tu m'as attendu, tête de ferraille. La réponse à cette question est non. Quoi? Tu es dans le câble. Pas tout à fait. La mémoire de 64 codes permet d'analyser l'état d'une partie des dizaines de fois par seconde. Et j'ai un chargeur de cassettes qui contient des milliers de parties jouées. Je sais ce que tu vas faire avant que ça arrive. Alors, réponse est... Tu sais, fumer est mauvais pour la santé. Passe au combat. Non, attends, je suis pas prêt. Carpocalypse! Je me sens pas très bien. C'est peut-être un virus. On continue. Excellent. Parfait. En bas. Peut-être moins là. Putain. Qu'est-ce que je faisais? Je vais vider ma cache. Hey, t'as-tu fini là? Ah.
Ah, deux fatales. Ok, on finit ça. Et voilà. Victoire, tu es désuet, Crypto. Jeu étrange. Le seul coup gagnant est que je ne peux pas jouer. Mange la poussière. Qu'avez-vous fait? On n'y a pas touché, ce sont des pirates. Désolé, monsieur Leroy. Ah, c'est pas grave, l'ordinateur est maudit, je suis sûr. Et Sophie avec métamorphose coûte un bouffe de plus. Les soufflets avec charge coûte un bouffe de plus. Les soufflets avec défenseur coûte. Salut Brad. Je suis bloqué au combat contre Gathactus. As-tu le pot vide? Ouais. As-tu rempli de potions magiques, comme je te l'ai dit? Sacré glu. Ce n'est pas grave. Savais-tu que tu peux battre Gansaxus avec un pot vide? Je ne serai jamais populaire dans cette saleté de ville. Jamais rien d'intéressant ne se passe ici. Tu veux parier? Hey, tu es populaire, non? Tout à fait. Tout le monde me connaît. Donc, si je te dis un secret, tu vas garder le secret et ne rien dire à personne, d'accord? Secret, je suis doué pour les secrets. Alors dis-moi, as-tu remarqué les choses effrayantes qui se passent à l'école? Les concierges ont tué un étudiant pour avoir jeté des ordures par terre. Un démon qui kidnappe les élèves qui ne mettent pas leurs poubelles à la poubelle. Les ordures à la poubelle, tu es folle? Heureusement, un démon. C'est bizarre. Je pensais que tu avais un vrai gros secret, dégage. Au début du tour, gagne 1-1. À la fin du tour, un autre sous-titre. Elle corrige, j'ai mal aux dents. Pas moi le brassage il y a quelques jours. Toby. Tu as pris l'ourson d'une deuxième année, c'est bas, Toby. Très bas. Entends-toi de rendre un patou. Cette petite tête de patate ne mérite pas une aussi parfaite cible de fond. Si tu blesses, l'ourson, tu seras confronté à la blanche chaude furie de mes poings. Je te le dis, je vais te donner l'ourson si tu veux garder un secret. Tu peux vraiment garder un secret, c'est... Cet esprit est comme la chambre forte d'une banque. J'ai pris un jeu de cartes de cet enfant l'autre jour et maintenant... Tu aimes pas aux bêtes, n'est-ce pas, Tony? Tu veux jouer? Je viens juste d'entendre parler des autocollants. Allez. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que tu joues les plus vieux jouets de Powerpet? Ne me juge pas.
Il y a deux, lui. Oh putain. J'ai arrêté d'être aussi crétin, alors Valdo. Ah, c'était juste. Ah, c'était un one shot deal ça. Ben voyons donc. Les avez caché qu'elle est en train de chien de feu. Je suis exprès de cliquer à mauvaise place ou quoi?
Oh mon dieu, ça fait mal ça. J'ai. Je pense qu'il est battable, mais ça n'a pas aidé que la carte. J'arrive pas à rien faire. Incroyable, je peux rien faire. Cette carte-là. On a 7.
peux plus rien faire. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Garde-la ta carte. Ah, c'est un... j'ai servi, ça te demander. L'anniversaire de Tara s'en vient, c'est la meilleure amie, je veux faire quelque chose de vraiment spécial. En même temps, ne fera pas fâcher. Ne nous entendons pas là-dessus, Jess. Ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. En effet, je pensais lui faire une carte PowerPoint tout à fait unique, avec des autocollants et des pouvoirs. C'est une bonne idée. Merci, j'y ai pensé moi-même, mais je pense que ça va être difficile à faire. Si tu pouvais m'aider avec les belles détails, j'en serais éternellement reconnaissant. Peut-être commencer par découvrir la faction préférée de Tara. Ensuite, avec un autocollant dedans, nous pouvons rendre la carte vraiment spéciale. Et demande à l'ami de Tara, Lucie, des idées pour le nom de la carte. Pas de soucis, Austin. Jess Carter, son équipe. C'est ton autocollant de changement de nom. Merci, Jess. Ça va faire un cadeau parfait. Bien fait pour l'épreuve. Tu n'es peut-être pas si nul que ça. Lorsque ce souffle attaque, déploie un souffle 3-3. Excellent, continue. Votre mère doit signer ce test pour qu'elle sache que c'est un échec, Madame Wessner. Pas de mais, qu'allez-vous faire plus tard? Vous ne pourrez pas apporter une calculatrice dans la poche. Mon vélo est enveloppé de papier hygiénique satané de Dustalien. C'est bon de te voir, Jess. Hey, Jess. On a gagné ça dans une course de vélo hier. Soit je savais que tu l'aimais. Tu le prends. Fais-moi savoir si tu veux jouer. À la fin du tour, les autres sous-titres gagnent 2 points de santé. Laissez, allez. Ce n'est qu'une partie amicale, Jess. Ça n'existe pas, des parties amicales. Thank you.
Je pensais que tu serais mort. Je peux rien faire. Ça, ces cartes-là. Bravo, Billy. Bravo, sortant. T'as vraiment que tu veux faire. Tu peux rien faire contre ça, moi. Lorsque tu révèles une mutation face vers le bas, déploiement. Faut que tu relèves une mutation face vers le bas.
Il est là, lui. Ben, c'est cette carte-là au plus vite. Faites ton tour, un autre sous-titre gagne 2 points de santé. Quand même bon. Victoire! Je crois que j'ai oublié de mettre des cartes secrètes dans mon jeu. Non, t'as juste pas été chanceux. Bien joué. Ce jeu est tellement compliqué, si tu veux m'affronter, j'ai mes propres règles. Ah, laisse faire, toi. Des règles. Des règles de pétasse. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un chien fou, on dirait. Un aboyant? Ce n'est pas possible, un extraterrestre qui ressemble à un chien. Abdou est en quête paranormale avec raison. Génial, tu veux voir? Impossible, si c'était un chien, juste un chien. Tu as plus peur de la partie chien que la partie extraterrestre? Eh oui, j'ai été mordu par un chien une fois, un gros. Allons battre ce monstre chien, allez. Il est dangereux. Non, non, il fait quelque chose. Il faut faire quelque chose, je suppose que tu as raison. C'est les extraterrestres à... Active leur chien soldat, nous devrons leur tenir tête. Nous parlons de la race humaine, je serai ici avec toi. C'est parti. Tout prêt à faire face. Nous avons pas peur de toi. Vous devriez... T'advient. À vos souhaits. Merci, où en étais-je? Ah oui, tout ce que vous touchez est couvert de micro-mortels. Qui pourrait vous manger à l'intérieur si je ne le fais pas en premier? J'ai peut-être peur des microbes, mais pas de toi. Je suis fait de microbes. Ah, nous allons quand même te botter les fesses. Allez, Jeff. Carpocalypse! Tous les changes de cartes demeurent façon de propager des maladies. Le chien est dégoûtant. Je me vais à 8 dessus.
Allez, allez, allez. Ah, c'est fatal, j'ai mal lu. Bon, je suis dans la merde. Non! Non! On va voir que ça donne. On va débarrasser ça au plus vite. Débarrasser tout au plus vite. On gagnera pas ce game. Est-ce que tu avais une mutation vers la face de peur? Ah, j'ai pas vu. Oh.
Allez, finis-moi. GG. Non. Essayez, c'est bon. Carpocalypse. Deux cartes charge peut être excellente si j'ai pas de, s'il y a pas de défense. Pas de défense en là, Moche. Faut la défaire au plus vite, cette défense-là. Plus de défense. Et je te terminerai moi-même. Oh! Yes! Je te l'ai dit, personne n'a peur de toi. Les enfants sont plus forts que ton apparence. Quand sa face de crotte de nez, les microbes sont toujours invisibles partout. Dégueulasse. Il suffit dans Rush gagne un point de santé. Il suffit caché. Il suffit Fatal gagne un point de santé. Nous avons su réussir, Jess. Merci. Je l'ai le gros du travail, mais quand même. Il était comme un chien tout seul. Et toi, pas aujourd'hui, extraterrestre chien. Je ne pense pas qu'il était. Le prochain chien extraterrestre n'a qu'à bien se tenir. Tu m'as vraiment redonné confiance, Jess. Pense à. Merci. Oh, c'est quoi ça? Lorsque tu révèles une mutation, face vers le bas, gagne un point d'attaque jusqu'à la fin de ton tour. Lorsque tu révèles une mutation, face vers le bas, tous les filtres gagnent. Rex Machina! Rex Machina! He wants to fight, cause he's in a fighting machine. J'ai déjà été à la bibliothèque. Des cartes stupides. Ça...
Je ne suis pas comme les autres, tu sais. C'est parti. Je peux me maquiller avec mes pieds. En fait, assez cool. On va te donner un trophée, ma belle. Le Winnie Baby est à moi. Pas question, c'était un emprunt. Tu m'as donné Monsieur Punkle. Tu ne peux pas le revoir maintenant. Tu es une voleuse. Tu es méchant. Tu es une. Juste, tu peux nous aider? Oui. Tu peux être notre juge indépendant. Vous voulez dire que je dois aider à décider qui obtient le Winnie Baby? Ouais. Ça a du sens tant que ça se fait sans favoritisme, Jess. Pas de problème. Randy, qu'est-ce que tu fais croire que tu mérites le Winnie Baby? Parce que l'île Jessica me l'a donné et maintenant elle ment. Elle a eu le Winnie Baby pour Noël, mais elle a dit qu'elle le détestait. Non, elle voulait l'ours bleu et à la place elle a eu le lion rouge. C'était un échange. On songe. J'ai donné ma poupée Ken Lady à Jessica contre son Winnie Baby. Mais maintenant, tout le monde dit que les Winnie Baby seront inestimables et Jessica veut le revoir, mais il est à moi. Et Jessica devrait-elle te donner? C'est très simple, mon père me l'a donné pour Noël et m'a dit de m'en occuper. Et puis je l'ai prêté à Brandy parce qu'elle était triste de n'avoir rien eu de bien cette année, juste des poupées ennuyantes. Hey, la vérité fait mal et maintenant je veux revoir mon Winnie Baby et Brandy est méchante à ce sujet. J'ai pris ma décision, je demande. Fais compte sur toi pour prendre la bonne décision. Déchirer le Winnie Baby en deux et apporter un Brandy. Super, les gestes sont solidaires. Je n'arrive pas à y croire, c'est tellement injuste. Grim. La faucheuse est parmi nous. En fait, il n'a pas de skin. Il n'a pas d'yeux, ses tails aside. Son nom fait sens, il est pretty grim. Oh, yeah. 10 ans et je prends ma retraite avec l'argent de Monsieur Pinkor. Ne t'en fais pas, Jess. Tu n'oublieras pas que tu as fait aujourd'hui. J'ai Monsieur Pinkor et Jessica le veut juste pour son argent. Vous n'aurez pas dû détruire complètement la cafétéria au lieu de la mettre à l'envers. Alors je n'aurais plus à manger cette nourriture. Hey Lucy, quoi de neuf, Jess? Tu peux me dire quel détail sur Tara? Pourquoi veux-tu savoir ça? J'ai fait des recherches pour aider Austin à lui donner un beau cadeau. C'est dégoûtant, Austin a le béguin pour Tara et les microbes. Maintenant que j'y pense, c'est dégoûtant. Tellement dégueulasse. Peut-être même plus dégueulasse que la nourriture ici. Mais un peu mignon aussi, je suppose. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que Tara a un animal? Oui, un souris. Elle s'appelle Sushi. C'est une appli Sushi, c'est adorable. Merci. Pas de problème, j'aimerais voir le visage de Tara quand Austin lui donnera un cadeau. Tellement dégueulasse. Qui veut recevoir des cadeaux d'amour de toute façon? Avant que j'oublie, est-ce que tu n'as aucun rapport là-dessus des autocollants de nom? Je pense oui, tiens, merci. Comment ça se passe quand le champion est haut? Je la botte les fesses, j'en ai déjà battu 2. Bien joué. Mais vous savez ce qui serait plus court, jouer ensemble tous les deux. Allez, je déteste être seul. Je veux voir d'abord comment vont les autres. Bien sûr, on peut combattre les champions ensemble, allons-y. Super, allons-y, il ne reste plus beaucoup de temps. J'en ai entendu un dans le placard du concierge. La pizza aujourd'hui. Vraiment super. Eh oui, avec un carnitas préféré de tout le monde, Olivier Anana. Ça va? Ouais, et toi? Ma mère m'a dit qu'en retenue, on nous enferme dans une pièce sombre et effrayante. Ça a l'air horrible.
Je pense qu'elle a dit des mensonges pour que tu n'aies pas d'ennui. Quoi? J'ai eu des cauchemars pendant des semaines. J'ai ton lapin hyper lent, Patou. Merci. Pas de problème. C'est important. Alors voilà ta gigantesque récompense. Je cherche plus de trucs pour Patou. Il faut que je vérifie ça. Une attaque auto toujours égale à sa santé. Lorsque tu as un soufflet détruit un soufflet, ton soufflet gagne plus 3. Tu ne dois utiliser que des cartes communes, ça inclut un champion. Est-ce que c'est des cartes que tu ne peux pas gagner quand une carte commune? Non, je veux jouer non. Allons-y. Cardpocalypse. C'est ce qui est plutôt commun. Moi qui gagne, prépare-toi. Mais toi, t'as pas des cartes communes? Ce défi de merde là. Il m'en reste rien que 6. Je suis dans la merde. J'ai même pas aperçu.
fini. Mais te faire rendre ça, il y a toutes des bonnes cartes. Moi, je suis toutes des cartes normales. J'essaierai une autre fois, d'abord. Le voyant. C'est n'importe quoi cette niaiserie-là. Garde-la ta carte, encore une fois. Merci, j'ai apporté mon propre repas non contaminé. Excellent. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Carpocalypse Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!